Wiris, réponse composée. Dans Wiris, si on veut, à l'intérieur d'une même question, demander plusieurs éléments de réponse aux élèves, on a la possibilité d'utiliser les questions Wiris Close, qui, comme les questions Moodle Close, permettent d'avoir une question qui intègre plusieurs réponses de types éventuellement différents. On peut avoir des réponses courtes, ou des QCM. Comme en général, ce qu'on va demander, c'est des réponses courtes, Wiris a prévu que des questions à réponse courte puissent aussi être composées, c'est-à-dire que on va garder le format réponse courte, mais on va dire attention, il y a plusieurs réponses attendues. L'intérêt par rapport aux questions closes, c'est que c'est un peu plus simple à écrire. Alors, ce sera assez simple, il faudra cocher réponse composée pour prévenir que ce qu'on attend, c'est plusieurs réponses de la part des élèves, et puis on fera précéder chacune des réponses d'un égal. Vous allez voir, c'est assez simple, on va faire comme exemple, on a a de x qui est égal à 3x plus 2 de tout au carré, on demandera à l'élève de calculer a de 2, puis de développer a de x. Donc on attend bien deux réponses de l'élève dans un seul exercice. On aura donc deux réponses courtes attendues, et pour le format et les conditions, vous verrez qu'on est un peu coincé, parce qu'on doit avoir le même format, les mêmes conditions définies pour l'ensemble des réponses. Donc si pour le format, comme c'est pas le même format attendu, hein, soit un nombre, soit une expression littérale, alors bon, on précisera rien, et puis pour les conditions, par contre, on peut demander que ce soit développé. Alors voyons tout ça tout de suite en images. Je vous laisse aller sur une banque de questions, créer une question, de type réponse courte. Vous indiquerez l'énoncé de la question, ici je propose, on s'intéresse à l'expression a de x égale 3x plus 2 tout au carré, calculer a de 2 puis développer a de x. Je descends et tout se passe comme toujours dans le Wiris Quizzes Studio qui s'ouvre en cliquant sur cette icône rouge. Et c'est ici, vous voyez, que je vais dire que je veux une réponse composée. Donc réponse composée, je vais donc attendre plusieurs réponses. Alors je peux demander que toutes les réponses soient correctes, c'est-à-dire que si tout est correct, on a 100% des points, sinon on a 0% des points, ou je peux proposer une distribution, par exemple 50-50. Vous pouvez mettre 50-50, 5-5, etc. Wiris fera une petite règle de 3 pour attribuer les points comme vous le souhaitez. Ensuite, comme bonne réponse, qu'est-ce que j'attends? J'attends A de 2, qui est égal à 64. Et puis j'attends quoi d'autre? J'attends 9x au carré plus 12x plus 4. Mais là, comme ça, Wiris ne sait pas quelles sont les différentes réponses. Est-ce qu'on veut écrire 64 entrée 9x au carré plus 12x plus 4? Parce que c'est ça qu'on attend. C'est pas bien clair pour lui. Donc pour que ce soit bien clair, je vais faire précéder chacune des réponses d'un égal. Et puis après, je peux donner des indications avant. Par exemple, je vais écrire A de 2 égale. Et puis ici, développement égale. Alors ça rend pas quelque chose de très joli, hein, puisque c'est censé être du texte mathématique, mais ça c'est bien correct. Je passe rapidement sur la validation. Comme on l'a dit, on va demander quelque chose de général, hein, formule, expression, ou peu importe. On veut que ce soit mathématiquement égal, et on va demander que ce soit simplifié. On peut pas imposer la structure, et on peut voir l'aperçu. Donc dans l'aperçu, vous voyez bien que ce qui suit le égal, ça va être une zone de réponse. Alors, je peux tester, par exemple, 60 plus 4 au lieu de 64, puis 3x plus 2 au carré. Et si je fais ça, je vois que 60 plus 4, on me dit bien que c'est pas simplifié. Par contre, 3x plus 2 au carré, on me dit que la réponse est bien simplifiée. Donc attention, dans la validation, en fait, je veux aussi que ce soit développé. Je recommence, je teste. Là, on me dit que les deux sont incorrects. Par contre, si je mets 64 et 9x au carré plus 12x plus 4... Là, c'est tout bon, c'est bien développé et simplifié. Accepté pour terminer l'édition de cette réponse et on accorde 100% des points. On enregistre et vous pouvez, si vous le souhaitez, tester votre question. En résumé, les questions courtes composées, c'est un peu comme les questions closes, ça permet d'intégrer à l'intérieur d'une seule question plusieurs zones de réponse. Uniquement, en revanche, des zones de réponse de type réponse courte. Les conditions et les formats sont définis pour l'ensemble des réponses qui seront intégrées dans cette question, donc on est un petit peu coincé, on ne peut pas mettre absolument tout ce qu'on veut.